Une télévision qui s'inscrit dans son époque, c'est le maître mot de la rentrée 2000 du groupe France Télévisions, qui accueille désormais dans sa holding la 5e. En ce qui concerne la 3, saluons l'arrivée de nouveaux venus comme Mireille Dumas ou encore Marc-Olivier Fogiel. Et puis du côté de l'information, le 12-13 devient le 12-14 et la rédaction vous proposera un magazine d'investigation. Richard Tripot, Dominique Poncet et Jean-Christophe Duclos. Ça bouge sur France 3. Le slogan de rentrée est résolument offensif. Démonstration publique ce matin en présence des stars de la chaîne. Côté innovation, l'arrivée de Mireille Dumas avec sa vie privée, vie publique. Pour le plaisir. Celle de Marc-Olivier Fogiel et de Franz-Olivier Schisberg. Diversité pour une ligne éditoriale qui reste fidèle à l'histoire de France 3. Les deux mots-clés sont proximité et innovation. C'est-à-dire rester la chaîne la plus proche des Français, ce que nous sommes déjà à travers les régions et à travers la qualité de nos programmes, et puis continuer à innover, à chercher des idées nouvelles, à nous inscrire dans notre temps, à être une télévision contemporaine. Côté information, à toi l'actua, l'actualité expliquée aux jeunes chaque jour à 17h. Un nouveau 12-14 avec de nouvelles tranches régionales et une ouverture sur l'actualité outre-mer, et puis un magazine mensuel d'investigation. Tout cela complétant un ensemble de magazines fidèles au poste, Thalassa, Faut pas rêver, France Europe Express ou bien encore Déraciner des ailes. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir.